Blanchet et Éric Lecomte. Éric, le match face au Blizzard du Séminaire Saint-François vient de se terminer par une victoire de 6-5 en prolongation. J'aimerais que tu me parles de ce match-là. Ben écoute, pour vrai, ça a été un match intense là, du début à la fin, un match excitant pour les fans, un peu moins pour les entraîneurs des deux équipes. C'est un score très élevé, 6-5, mais non, c'est un bon match. Je veux dire, les deux équipes ont travaillé fort, puis c'était, comme je te dis, c'était un match excitant. Éric, c'est ça, finalement, comme tu viens de répondre, globalement parlant, là, c'est vraiment un match qui a été quand même mis en part à mi-chemin en troisième période, quand même par rapport à ton équipe. Un match structuré, discipliné, avec quand même beaucoup d'intensité. Oui, tout à fait. C'est notre identité. On joue de cette façon-là depuis quand même un petit bout. Là, tous les matchs, c'est un peu comme ça. Puis, c'est ce qu'on avait demandé aux gars, c'est ce qu'on voulait faire. Puis c'est exactement ce qu'on a fait en première, deuxième, troisième. Ce que je suis content aujourd'hui de l'équipe, c'est qu'on a travaillé vraiment pendant trois périodes plus le overtime. Donc, très satisfait. En rapport avec ça, ça a été un match par séquence ce soir-là. Vous avez eu une bonne séquence, ensuite Séminaire Saint-François a eu une bonne séquence. J'ai vu aussi que vous avez travaillé ce matin dans la pratique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé, l'intensité, tout le temps? Bien, c'est sûr qu'on voulait, après le deuxième match là-bas, c'est quelque chose qu'on a voulu ajuster. Là. Je ne te cacherai pas que c'était le point clé là, de un peu là, de ce qu'on voulait améliorer. On l'a amélioré, c'était correct. Mais tu sais, SSF, c'est une équipe qui travaille fort. Ils ont un très bon, ils ont deux, trois très bons trios. Son gros, ils frappent. Tu sais, c'est une super bonne série, c'est du bon hockey. Puis c'est pour ça qu'on joue, là. C'est pour ça que les gars se donnent toute l'année pour gagner des games comme ça. Là. Mais tu sais, je pense que nous autres, on est contents. Eux autres, de leur côté, c'est sûr qu'ils partent avec une défaite. Mais en même temps, ils ont montré du caractère aussi. Puis tu sais, il faut faire attention, c'est une très bonne équipe. Puis sincèrement, tu t'attendais pas non plus à une série expéditive autant d'un joueur que de l'autre? Bon, pas du tout. Là. On savait qu'on s'embarquait dans quelque chose d'explosif, de dynamique et de très intense. Là. Donc, c'est exactement là, le genre des séries qu'on s'attendait de notre côté. J'aimerais que tu me parles du travail de Zachary Chalifou. C'est un bon défenseur. Il a connu une bonne saison, mais en série, il est vraiment explosif. Ben écoute, dans le langage de hockey, il step up. Là, il a suivi le message. Ben ouais, puis c'est un gars Zachary où que des fois on était dur avec. C'est un petit gars qu'on a voulu qui joue d'une certaine façon, puis des fois ça venait pas toujours de lui-même, il fallait le pousser. Puis là présentement, ben il step up, il est là, il fait ce qu'il a à faire. Mais pour vrai, là, c'était, depuis le début de la série, là, c'est vraiment des victoires d'équipe qu'on a. Là. On a quatre lignes. C'est ce soir, notre quatrième ligne, là, toutes les fois qu'ils ont embarqué, là, ils nous ont donné du momentum, ils étaient à l'autre bord, ils ont donné des mises en échec, ils ont même eu une coupe de chances de scorer. Ça change complètement. Là. C'est ça de la profondeur dans une équipe, c'est quand tu es capable de faire jouer tout le monde puis que tu peux amener du momentum avec tout le monde. Là, puis présentement, on est là. Éric, par simple curiosité, le but refusait cette minute là, au début de la première période. Là, ça n'était pas la raison que l'officiel, quand il était de voir au banc? Ben, t'sais, c'est toujours difficile au banc. Là, t'sais, pour vrai, je peux pas vraiment voir du banc, t'sais, mais Zach Lheureux m'a dit que la rondelle était dans sa mythe, mais que la mythe était dans le filet. L'arbitre lui a dit que la mythe... La mythe en bord de la ligne. C'est correct. Là, je veux dire, à un moment donné, il faut se fier au jugement de l'arbitre. Puis, vous avez quand même gagné. Ben ouais, puis de toute façon, je pense qu'on a fait un bon travail ce soir des deux côtés. Là, ils ont calé ce qu'ils avaient à caler, puis c'est bien correct. Puis Éric, une dernière question. Là, le but de Loïc Deg, là, tout un but, hein, café, deux sucres, deux crèmes. Ouais, incroyable. Mais tu sais, Loïc, c'est un joueur qui est comme ça, qui est dynamique, qui veut. Puis, tu sais, je suis content pour lui, là. On fait des jokes avec ça, mais c'est pas un marqueur naturel, mais avec sa vitesse, avec l'énergie qu'il amène, avec les piquets qu'il fait, les block shots, je suis extrêmement content pour lui qu'il se score un gros but comme ça ce soir. Écoute, Éric, quatrième match demain de cette série, vous menez la série 2-1, c'est un 3-5. Quel message tu vas vouloir faire passer à ton équipe demain avant le match? Ben écoute, là ce soir, on se couchera pas ben là. On va regarder des vidéos, puis on va commencer à planifier un peu ce qui va se passer demain. Puis quel message, je veux dire, t'es rendu là quand il faut que, oui, on veut passer des messages, mais en même temps, je pense que les gars savent dans quoi ils s'embarquent, ils savent dans quoi qu'est-ce qui va se passer demain. Puis des fois, on oublie que dans cette équipe-là, on a quand même des bons vétérans qui ont vécu des belles séries là, l'année dernière, l'année d'avant, puis il faut se servir de ce genre de caractère-là, là, les Lavac, les Bousquet, les Nadeau, puis j'en oublie, les mêmes Chassons, puis tous ces gars-là. Fait qu'il faut se servir de ça, puis je pense que le message se passe présentement dans la chambre par eux autres même. Merci beaucoup, Éric. Plaisir.